Alors, on y va. On est donc Gimel Amoud Bet en bas. Kedetania, comme on en sait. C'est bon, ok. Kedetania. Are Shaya Pito Afoui, Utevaro Tavoir, Veyeno Mazou. Entre parenthèses, vous savez, chacun, les chanteurs, ils ont des tubes. Johnny Hallyday, il avait des tubes. C'est que c'est des tubes? Non. Les hits. Ouais, le top 5. Ah, okay. Par exemple, comment te dire, les Rolling Stones. Okay. Ouais, eh bien, ils vont te dire Sympathy. For the Evil. Ouais, si je joue pas, c'est pas les Rolling Stones. Ouais. D'accord. Alors, de la même manière, ça, c'est un des tubes de Gérard Zizek. Ouais. Là, c'est sans blague, c'est des gmarotes. Alors, j'ai écrit dans le désir d'aider. Je vous ai envoyé hein, les textes. Hein, j'envoyais les textes. À qui vous en parlez, moi? Comment vous envoyez? Par WhatsApp. Par WhatsApp. Comment vous avez WhatsApp? Hein, bien sûr. Bien sûr. Mais je n'ai pas votre numéro. Alors, prenez-le tout de suite. Ah là 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 là. Il faut être sérieux dans la vie. Voilà, ça fait sérieux. Alors, 06. Une seconde. 06. 76, 76, 24, 32, 50. C'est bon. Ça va. Merci. Allez, on y va. Alors, donc là, c'est le top 5. Are Shaya Pito Afoui. Le pain était cuit. Oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. On va à la France. Tout va bien, tout va bien. De pas franc. Pas du tout. Je pense à monter en point. Ok, alors, on y va. Alors. Are Shaya Pito Afoui, voilà, le pain était cuit. Au Tevaro Tavoir, la viande était abattue. Donc, il faut savoir que, bien évidemment, à l'époque de la Mishnah, de la Gemara, il n'y avait pas de frigo. Quand tu as fait la viande, il faut la manger tout de suite. Sinon, elle va pourrir. Ouais. La viande abattue. Yeno Mazoug, le vin. Il se conservait. Le vin, il se conservait parce qu'il était très fort dans les amphores. Hein, amphores comme dans Astérix. D'accord ? Maintenant, juste avant de le boire, on met de l'eau dedans. Mais il faut le boire tout de suite. Voilà. Comment on dit en français ? Quand le vin est tiré, oui, non. Ah là là, quand le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire pour il faut le tirer, il faut le boire. Quand le vin, tu l'as tiré le vin du tonneau. D'accord. Il faut le boire, sinon il va tourner. Il va tourner. Donc c'est pareil. D'accord. Bien. Yeno Mazouk, va mettre Aviv Shel Khatan au Ima Shel Khan et meurt. Alors attention, ce qu'on va voir, pourquoi moi je dis ça, un de mes top 5, parce que c'est énorme ce sujet. Ça a des incidences absolument colossales dans notre existence à tous. Va mettre Aviv Shel Khatan et meurt le père du Khatan au Ima Shel Khala ou la mère de la mariée. On va voir plus loin que c'est strictement, si ça avait été et morte la mère du Khatan ou le père de la Kala, ça aurait été différent. Parce qu'en général, c'est ceux qui s'occupent du mariage. Marnissim et Amet la Cheder, on introduit le mort dans une pièce, et ta Khatan veta Kala la Choupa,
On introduit. Excusez-moi, monsieur. On introduit le chatan et la mariée sous le dénuptial. Boel belat mitzvah. Il a la première relation entre un couple, ça s'appelle beilat mitzvah. Ou poresh, et ils se séparent. Ça veut dire que là, on leur permet d'avoir la première relation avant l'enterrement. Alors, regardez, mes amis. Avant l'enterrement. Excusez-moi, Shlomo, laissez-moi parler parce que ça me déconcentre. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça le sujet. Ils sont onen. Et nonobstant le fait qu'ils soient onen, on voit qu'on leur permet, dans la période d'Aninout, d'avoir une relation de couple. Or, on a vu que, quand ils sont onen, le débat entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan, c'est seulement Shabbat. Et là, ce n'est pas mitzvah de Ona, puisqu'ils ne sont encore pas mariés. Ils ne sont pas mariés encore. Alors comment on peut leur permettre, dans la période d'Aninout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous demandez. Ils ne sont pas mariés encore, mais là, quand on leur dit qu'ils sont la relation, ils sont déjà mariés. Non, c'est ça qui va faire qu'ils sont mariés. Le chiyuv de Ona, c'est quand il y a un couple, il est marié, alors il y a des obligations du couple, mais là, le couple, tu pourrais dire, bon, ils auront cette relation plus tard. Alors, et d'autre part, regardez, comment on peut imaginer qu'il n'y a papa dans la pièce à côté, moi je vais aller avec ma femme, et je ne l'ai encore pas touché, on est dans un contexte de Torah, peut-être lui, il n'a jamais touché une femme de sa vie, elle a touché jamais un homme de sa vie. Donc, c'est quoi? C'est de la boucherie, c'est quoi? Et il y a tout le monde attend, le corbillard qui attend, qui klaxonne dehors. Alors, là, ça va, on y va, on va faire l'enterrement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, il est à côté ou n'importe où? La pièce à côté. Marnissé Moto Bacheder dans une pièce. Le radar qu'il y a dans la choupa, Boel Beilat Mitzvah ou Poresh. Venoeg Shivat Yeme Amishte et s'applique les 7 jours de festin et après 7 jours de Avelout. Alors le tableau là, je ne sais pas, il est un peu cassé. Non, excuse-moi. Il est un peu cassé. Ça en dit dans la musique. Excusez-moi. Je récupère. Je vais chercher le papier parce que, si vous voulez, c'est un passage qui, d'un point de vue à la rite, est compliqué et extrêmement important. Extrêmement important. Je mets un petit break, une seconde. Et c'est un passage qu'il faut. Bien, regarde. Le père du Khatan. Ou la mère de la carte. Dagmar va dire pourquoi? Parce que, en général, enfin, à l'époque, c'était le père du garçon qui s'occupe du mariage, et la mère de la Kala qui s'occupe, de sa coiffe, qui s'occupe de son maquillage, qui s'occupe de sa robe, qui s'occupe de tout ça. Elle est morte. Si on repousse le mariage, il y a eu les kiddushin. À l'époque de la Gemara, il y avait plusieurs mois pour préparer le mariage. Mais la vie commune n'a pas commencé encore. Il y a Kiddushin et Nisuin. Donc là, maintenant, c'est Nisuin où le mariage lui-même va commencer. Quand il y a le mariage, les sages ont institué 7 jours de fête. 7 jours de fête. Lorsque il y a un mort à être enterré,
dans le Rajba, est-ce que le deuil, c'est d'après la Torah ou est-ce que c'est rabbinique? On va voir ça. Mais en tout cas, 7 jours de deuil sont institués quand quelqu'un est enterré. Si, quand il y a quelqu'un, il y a le deuil, on a de mariage. Donc, si le mort, il est mort, si on l'enterre tout de suite, si on l'enterre tout de suite, eh bien, il y aura les lois de deuil. Donc, on ne pourra pas faire le mariage, on fera repousser le mariage. Mais là, il y a les petits fours, il y a le carpaccio de saumon, il y a les panini qui sont prêts, il y a les verrines qui sont faites. Si on ne mange pas là tout de suite, il y aura des milliers d'euros qui vont aller à la poubelle. Comment on va faire? Repousser le mariage? Mais elle a été maquillée par sa maman qui vient de mourir là, juste 5 minutes avant la roupa. Alors, si on l'enterre tout de suite, la maman, on ne pourra pas faire le mariage. Parce que c'est interdit de faire le mariage. Et pendant les lois de deuil, il y a un interdit aussi de relations de couple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vas dire, on veut faire un mariage à... Ben non, mais si ils n'ont pas la via, il n'y aura pas. Ce qu'il faut, c'est que commence. Il faut que commence le mariage pour qu'il y ait 7 jours de fête. Et après, commenceront les 7 jours de deuil. C'est comme par exemple, s'il y a un enterrement Chol HaMoed, comme il n'y a pas les lois de deuil pendant Chol HaMoed, on termine la fête, c'est la fête, et c'est Motsaé Yom Tov que commenceront les 7 jours de deuil. C'est à la Mimouna que commence le deuil. C'est-à-dire qu'il y a pas, est-ce qu'il y a Betsina ou pas, c'est-à-dire dans la fête, est-ce que le deuil commencera de façon discrète ou pas du tout? Alors ici, c'est un cas d'espèce ça veut dire ici, si vous voulez, ce passage est pour moi un des passages techniquement difficiles, mais humainement encore plus difficile. C'est que si toi tu vas dire on continue à faire Chol HaMoed, etc. Bon, Chol HaMoed, ce n'est pas la Big Teuf, mais là, 7 jours de danse et de trucs, comment on va faire les danses? On vient d'enterrer maman, on vient d'enterrer papa. Et ce n'est pas seulement ça, mais je reprends. C'est que il faut juridiquement que prennent les 7 jours de fête, que le mariage prenne, oui, parce que si on ne fait pas le mariage maintenant, si on l'enterre tout de suite, commencera les lois de deuil. Si commencent les lois de deuil, on ne peut pas faire le mariage, les milliers d'euros ils vont aller à la poubelle, et la maman ou le papa n'est pas là, pour remaquiller, pour truquer, moi quand je me suis marié, mon papa il m'a fait mon nœud de cravate, il sera pas là, il est mort. Donc le nœud de cravate, alors qu'est-ce qu'on fait, papa? Il est pas là, le nœud de cravate. Alors donc il faut pas repousser le mariage. Bon, alors tu vas dire on repousse pas le mariage. On fait le mariage, ça veut dire on fait la roupa, et on l'enterre tout de suite. Non, les sages ils disent non, que un mariage, c'est 7 jours de fête. Un mariage, c'est pas un mariage. Une formalité, un mariage écrit. Parce que ça, c'est un mariage. Un mariage,
fait une grande fête. Mais tu pourrais dire, on fait le mariage, monsieur le rabbin, venez là, voilà, on fait l'arcoupa, et tout de suite on fait l'enterrement. Bon, c'est pas grave, on fait pas 7 jours de fête. Il faut faire 7 jours. Oh bien, un mariage, c'est 7 jours de fête. Il faut le faire. Comment on veut faire 7 jours de fête, mais le mari dans la pièce à côté. Expliquez-moi ça. Il faut retarder l'enterrement pendant 7 jours? Non, pas pendant 7 jours. C'est la question. Pour que, les Rishonim vont expliquer, pour que y ait la prise juridique de 7 jours de fête, il faut qu'il y ait la bia. Donc il faut la bia, la relation de couple, qu'on parle dans un contexte religieux, lui, il n'a jamais touché de femme, elle n'a jamais touché un mec. Voilà. Et là, ils ont leur relation. Maintenant, on prend juridiquement un statut de 7 jours de fête. On enterre et comme ça, on peut faire 7 jours de fête. D'accord. Mais tu pourrais dire, fais un minimum. Fais la choupa et tout de suite le deuil. Non, choupa, c'est 7 jours de vie. Faut 7 jours de fête. Explique-moi ça plutôt que rester endormi là. Endormi. Il y a les 7 jours de fête. Ça prime sur les symboles. Oui. Et ensuite, même s'il l'enterre, toujours ses symboles de fête. Trazak, ça va être la question du Rajma. Mais si tu dis que Avelut Yom Rishon, c'est de Horaïta, alors comment c'est possible que les 7 jours de fête, après tout le monde d'accord, ça c'est rabbinique, et si tu dis que le deuil, c'est de Horaïta, comment c'est compatible? C'est le seul sujet du Rajma. C'est la théorie, c'est ce que Rachid va dire, c'est que pour les 7 jours de fête, la bière est interdite. D'accord. Et ce que je vois, c'est donc il y a le deuil qui commence un petit peu quand même. Non, c'est interdit. Oui, ça commence un petit peu, mais c'est quand même 7 jours de fête. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que en général, si la fille elle est betoula, elle n'a jamais eu de rapport, la première relation, les sages lui ont dit qu'ils ont un statut de nida rabbinique. De toute façon, c'est comme ça, j'ai ma brachot. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi alors on a besoin de dire Poresh et Seka? A priori, on pourrait dire si il y a ce statut de nida, il n'y a pas besoin de le dire. C'est pas. C'est vrai. Oui. Donc, c'est lié au deuil que. Oui, c'est ce qu'il y a quand même Betsina et les lois de deuil. Ouais. OK, c'est une bonne remarque. Mais en tout cas, ça veut dire, encore une fois, comment on peut intégrer ça que tu demandes à n'importe qui, hein, voilà. Là, je vais vous dire, ça peut arriver, hein, ces choses-là. 5 minutes avant la choupa, la mère de la fille, le père, je vais vous dire, c'est très, très important parce que moi, je le dis que ça nous est arrivé, pas exactement ça, mais quelque chose de proche, je l'ai déjà dit, hein, au risque de le répéter, que c'était en 91, donc ça fait déjà 32 ans. On est allé chez mes beaux-parents, à l'époque qui habitaient Strasbourg, on en était dans la région parisienne. Mon beau-père, il était assez malade. Justement, on a eu un bébé, donc il n'avait pas vu, il y avait 3 mois. Et ça, on est allé passer Pessard là-bas chez mes beaux-parents à Strasbourg. On se faisait déjà des années qu'il était un peu malade, pas mal malade pour mon père, mais donc pour qu'il voie sa petite fille, on est allé là-bas passer. Okay. Je m'habille pour aller, c'était Pessah qui allait commencer. C'était le premier jour de Pessah, c'était Shabbat d'ailleurs. Et je ne sais pas, moi, je m'habillais pour aller à la synagogue, quoi, de Kabbalat Shabbat, de Yom Tov. Hein.
il y a mon épouse m'appelle et dit papa est pas bien. J'arrive, mon beau-père il meurt dans mes bras, crise cardiaque. Et une demi-heure après, c'était Shabbat et Yom Kippour. Et alors, et c'était le Seder Pessah, ce qu'on fait. Et ben moi, je peux vous dire que comme j'avais étudié bien cette Gemara, je m'étais préparé à des situations comme ça. On l'a mis dans sa chambre. Ouais, je suis allé à Sina, on a fait Marie, je reviens, on a fait le Seder. On l'enterrait pas là. Mais si j'avais pas su, non. Jamais on aurait eu l'idée qu'on peut faire le céder. Jamais. Enfin, bon, il vient de mourir. D'ailleurs, ma belle-mère, elle avait mis, il y avait le cos de mon beau-père, ça, tout était, la table était prête, quoi. Comment vous avez le céder? Bon, elle n'a pas fait jusqu'à 3 heures du matin, mais on a fait le céder. Tranquille, pas tranquille, mais tu peux pas dire que c'est tranquille, mais on a fait le céder, il fallait faire le céder, comme on n'avait pas le droit de l'enterrer Shabbat, donc il n'y avait pas les lois de Onen, il fallait faire le céder, on a fait le céder. Donc c'est un sujet très très important, extrêmement important. On va voir, ça va très très loin ce sujet. Vous aviez fait les bras froids normalement, tout normalement. C'est-à-dire que je nous demande des ressources, que instinctivement on ne pourrait pas imaginer qu'on peut avoir ces ressources. On ne pense pas qu'on puisse vivre un truc pareil. Il faut le savoir, ça. Mais je peux vous dire, c'est parce que j'avais bien étudié cette Gemara j'ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire à la famille. À la fin de ma vie, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Ouais. Bon, voilà, chaque chose, si tu veux, chaque chose, il faut bien savoir tous les détails. Mais disons, si un truc comme ça, il fallait faire le céder. Le lendemain, ils habitaient à l'époque dans la banlieue de Strasbourg. Le lendemain matin, je suis allé à pied voir Rav Schlesinger pour voir tous les détails à l'Arik et voir aussi avec la Khepa Kadisha pour que le corps ne s'abîme pas. Voilà. Donc, le responsable de la Khepa Kadisha, il a parlé à un goy qui a dit machin, ils sont venus prendre le corps pour qu'il ne s'abîme pas parce qu'il y avait 2 jours de Yom Tov. Et le premier jour de Chol HaMoed, on a fait l'enterrement. Et le deuil a commencé à la Mimouna. Donc c'est des choses très, très importantes. Il faut, si vous voulez, s'intérioriser. Si, à Dieu ne plaise, on est confronté à des choses comme ça, il faut savoir précisément comment c'est la halakha. Si on va d'après les sentiments, on est pété. Si on va d'après les sentiments, ça y est, on laisse tomber, on va faire de l'autre, puis voilà, quoi. On prend son paquet de mouchoirs, puis c'est tout. On peut faire la fête, on doit faire la fête. On doit. Et combien de temps, la mort a eu combien de temps avant, dans tout le temps c'est quand même assez arbitraire, du coup, de se dire juste avant, c'est le temps qui n'est pas défini. Je n'ai pas compris. Non, mais là, le cas de la Gemara. Oui. Non, le cas de la Gemara, c'était juste juste sous la choupa, si tu veux. C'était ça. Là, le cas de la Gemara. Une heure avant, par exemple, on a eu le mariage. Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'a priori, on n'annule pas un mariage. Parce que un risque, si tu annules le mariage, ce qu'il faut voir, c'est ça, ce que j'ai écrit, la phrase biblique. Un mariage, ce n'est pas une formalité. C'est que si tu repousses et que ce n'est pas adapté, ça va passer. Ça va passer. C'est tellement subtil, comment dire, deux personnes se relient, il y a tellement de choses qui vont faire que ça peut mettre des bâtons dans les roues, mais ça, on ne le sent pas, on ne repousse pas.
C'est une réalité, quoi. Je connais une histoire comme ça. Malheureusement, voilà. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu ça. Quand je me suis fiancé, mon beau-père dont je parle là, il était contre le mariage. Bon, pour des raisons, il ne voulait pas d'un gendre religieux. Il était contre le mariage. Et ma belle-mère, ça allait, elle était pour, mais son mari était contre. Non, ça veut dire pas le fait que j'étais religieux, c'est le fait que j'étudiais la Torah. Lui, il voulait, je sais pas, un gendre pharmacien ou un gendre médecin ou avocat, pas un glandeur comme moi. Alors, pour lui, c'était la catastrophe. Et alors, celui qui nous avait présenté, c'était mon maître à Bipol, à Strasbourg. Et ma belle-mère est allée voir le rave. Dire quoi faire. Alors, le rab, il a dit bon, on peut repousser un peu le mariage pour que mon futur beau-père il encaisse un peu l'idée, quoi, qu'il digère un peu, pas trop précipiter les choses. Et j'étais tout jeune, mais j'ai senti que là, j'ai pas écouté mon maître. J'ai senti que si on repoussait, ça partirait en cacahuète. Sinon, on ne repousse pas, il n'est pas content. D'ailleurs, on voit sur les photos de mariage, il faut une tronche comme ça. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que le lendemain du mariage, vous avez entendu parler de Monsieur Frickel à Strasbourg ? Oui, le père. Oui, alors le père. C'était un chacham. Alors, monsieur et madame Frankel, ils ont organisé le Sheva Brachot le lendemain du mariage, le surlendemain du mariage. Organisé le Sheva Brachot. Et monsieur et madame Frankel étaient amis avec mes beaux-parents. Donc, les beaux-parents, ils arrivent au Sheva Brachot. Et mon beau-père, rayonnant. Il a dit, mais je ne comprends pas. Depuis qu'on se connaît, je vous ai toujours faire la gueule. Pourquoi là vous êtes rayonnant? Il m'a dit, j'ai tout fait pour que ça ne se fasse pas. Maintenant, le mariage est fait, je suis content. Le mec, la tête dure. Le mec, la tête dure, quoi. Le mec, tu vois, il dit, moi, j'ai tout fait pour que ça ne se fasse pas. Bon, maintenant, le mariage est fait, je suis content. C'est un caractère, quoi. Bon, tout ça pour dire qu'on ne repousse pas. Alors, regardez, maintenant, après ces belles paroles, analysons. Ouais. Analysons. Donc ici, je reprends. On pourrait dire qu'on fait la roupa et on enterre le mort. Oui, on fait la roupa, on enterre le mort et on ne fait pas la fête. Non, un mariage, c'est un mariage. Un mariage, c'est une fête. C'est une fête. Alors, tu as raison, Dorim Betsina, d'accord, mais c'est une fête. Alors, et comment c'est possible de dire le mort? Alors, Il y a deux problèmes. Un problème juridique, et c'est ça le sujet, c'est qu'on voit dans le traité Brachot que quand ils sont onen, le Tashmi Shamita, Shamita, c'est assur. Or là, on dit, ça sera moutard, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, que Shabbat, parce qu'il y a Khiyoub de Ona et qu'ils n'ont pas enterré. Mais là, ils doivent l'enterrer, ils sont Onen. Comment c'est possible de permettre, et pas seulement de permettre, mais dire d'avoir l'habia? Ça, c'est au niveau juridique et au niveau sentiment humain. Comment quelqu'un, il va avoir
disons, c'est que, on a vu même qu'un Khatan, pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi il n'est pas tour de Kriyat Shema? Parce que c'est énorme. C'est la première relation qu'il va avoir avec cette femme et peut-être la première relation qu'il a de sa vie avec une femme. Donc, c'est énorme. Comment lui et elle, ils peuvent être disponibles dans une telle circonstance? Alors, regardez l'autospot historique, Beilat Mitzvah. Vous êtes dépatouillé là-dessus mercredi soir. Ah, on va voir. Beilat Mitzvah. Beilat Mitzvah, Karela. Tu montres à Samuel peut-être c'est l'autospot. Alors, ici, au niveau du pshat, au niveau du pshat, il y a une anomalie. Quelle mitzvah? Que pourquoi la première relation entre le Khatan et la Kala, ça s'appelle Beilat Mitzvah? Quelle mitzvah? C'est la question de Tosfot. Alors, Beilat Mitzvah. Car il a Beilat Mitzvah. Pourquoi nos maîtres appellent cette première relation entre le Khatan et la Kala Beilat de Mitzvah? Mishum dirtiv, parce que le verset dit kibo alai rosair, que celui qui s'unit à toi te fait kibo alai rosair, celui qui s'unit à toi te fait bamrinan, et la Gemara dit dans Maseret Sanhedrin Kavbet Amudbet enisha koretet brit et là le meshi lemi sheose ota keli, une femme ne tranche d'alliance qu'à celui qui fait d'elle un objet. C'est femme-objet. Fait d'elle un keli. Alors, c'est, regardez, ici, c'est, très, très, c'est extrêmement profond. Et Tosfot, donc c'est les élèves de Rashi, c'est vraiment, on dirait, du Maharal de Prague. Que lui, il dit... La Gemara dit là-bas, la femme, elle est golem. C'est quoi golem? Au niveau juridique, un golem, c'est un objet qui n'est pas terminé. Un objet qui n'est pas, par exemple, on voit golmé kli etz. On voit dans la Gemara plusieurs fois, dans les lois de pureté et d'impureté, un objet n'a un statut juridique d'objet que quand il est terminé. Quand il n'est pas terminé, ça s'appelle golem. Bon, il y a la légende du golem du Maharal, mais ça vient d'un terme juridique. Le golem, ça veut dire pas terminé. Ça veut dire encore brut. Une matière brute. Une matière brute ne peut pas recevoir l'impureté, mais un keli, prenons un exemple. Une planche, c'est un objet pas terminé. Là, moi, je suis menuisier. De la planche, je fais une chaise. La chaise, c'est un objet terminé. La planche est un objet golem qui est indéfini encore, qui n'est pas terminé, qui n'est pas arrivé à aboutissement. Nos maîtres disent qu'une femme... c'est le mari qui, en s'unissant à elle, va lui donner une existence. Si l'homme qui s'unit à elle, d'ailleurs, si Dieu a fait que la femme, a priori, elle a un hymen, elle a un signe de virginité, c'est-à-dire, ça exprime... qu'elle n'est encore pas terminée. De la même manière que l'homme, on dit l'homme, tant que tu n'as pas fait la circoncision, n'est pas terminé. La femme, c'est encore un matériau brut. C'est l'homme qui s'unit à elle, lui donne une existence, et elle s'unit à l'homme qui lui donne un sens dans l'existence. Ce qui est extrêmement important, que dans notre tradition,
la relation entre un homme et une femme est quelque chose de central dans la vie. C'est quelque chose de central. C'est de la même manière qu'un homme a des envies, un homme voit une femme, etc., il peut avoir une envie. Mais nous, on voit beaucoup du côté de l'homme. Mais la femme, ce n'est pas une envie, c'est un besoin impérieux de vivre qu'un homme s'unit à elle. C'est un besoin impérieux pour la femme. Et quand quelqu'un se marie, il donne une existence à la femme en s'unissant à elle. Et là, elle est comme si celui qui lui donne cette existence, elle tranche un pacte d'alliance avec le mari qui lui donne cette existence. Enfin, ça, c'est ce que dit Tosfot. C'est ce que la Gemara dit d'Afkav Bet. Pourquoi ? Parce que ce Tosfot est compliqué, comme tous les Tosfot. Il y a un sous-entendu. Quelle est la mitzvah d'aller à quelle est la mitzvah d'aller avec son épouse la première relation? Alors, tu pourrais dire la mitzvah, c'est Piria Verivia. Et toi, soit t'explique pas, c'est sous-entendu dans ce que tu vas dire, c'est Piria Verivia, la mitzvah d'avoir des enfants. Mais, les Chachamim nous disent, Enisha mitaberet, Enisha mitaberet, bia rishona. Une femme n'est jamais fécondée de la première relation. C'est-à-dire quand une femme est vierge, la première relation qu'elle a, elle n'est pas féconde. C'est après. Alors, si tu dis que la mitzvah, c'est Piria Verivia, ce n'est pas possible, puisque nos maîtres disent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants dans leur première relation. Alors, quelle mitzvah ? Alors, regardez la suite de l'autospot. Il dit, comme on dit, « Enisha, kerotet brit, et là, les michosé otakeli. » Étant donné qu'une femme ne tranche d'alliance qu'à celui qui fait d'elle un réceptacle, qu'elle est un réceptacle, « Valiedeka midabegba. » Mais par le fait qu'elle, elle fait une alliance à lui, donc, de la même manière, lui se colle à elle. Elle se tranche l'alliance avec lui. Or, lui, ressentant comme il construit cette femme, il s'attache à elle. Ubaïm le de Piria Verivia. Et ils en viendront plus tard à avoir des enfants. C'est-à-dire, c'est pas, si vous voulez, cette première expérience fondatrice, c'est sûr, c'était première expérience fondatrice qui construiront leur couple, d'où viendront les enfants. Donc, c'est la base de Piria Verivia, c'est la construction du couple. Donc, Tosfot lui dit, c'est quoi ? Pour qui est Piria Verivia ? Alors, regardez, ça, c'est pour moi, c'est un des plus beaux passages, s'il n'y avait que ça dans le Talmud. C'est-à-dire que cette première bia, c'est la relation fondatrice sur laquelle vont construire le couple qui donnera plus tard des enfants. Cette première bia est la relation fondatrice sur laquelle se construira le couple. Si vous voulez, un couple, c'est deux personnes qui s'attachent l'un à l'autre. Donc, c'est par cette relation qui construiront cette attache l'un à l'autre qui donnera, sur cette base, des enfants. Donc, si vous voulez, la mitzvah, c'est Piria Verivia. Mais pas Piria Verivia. Pas Piria Verivia en cela que cette relation donne des enfants. Mais cette construction d'une relation va faire
que plus tard il y aura des enfants. C'est ça qui s'appelle Mélafitz. Mais ce développement très joli, très joli, très enthousiaste, très enthousiaste, oui, la relation de couple, j'en passe, c'était meilleur de sa race. Dans quel contexte c'est dit ? Dans le contexte où le papa ou la maman est dans la pièce à côté. Comment là, tu peux dire qu'un couple se crée ? Monsieur Yoran. Non, parce que je ne comprends pas déjà, c'est le contexte. C'est-à-dire, ok, la femme, elle va tisser une alliance, trancher une alliance avec celui qui l'a rencontré. Je veux bien une femme, c'est vrai que au début, pour la première relation, d'abord, elle est... Bon, elle ne veut pas faire... C'est pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'on sent que ça va être quelque chose qui est décisif pour elle. Mais l'autre côté, quand elle dit après, « Car Midabeg ba », ça, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il va s'attacher à elle. C'est... Si tu veux, moi, ce que je comprends, c'est que le... Disons, un mec, c'est il y en a, ils ont du mal à se marier parce que ils veulent rester libres, quoi. Ça les fait brère, quoi, d'être attachés comme ça. Ça les casse les pieds, quoi. Mais s'ils voient que la femme il l'a construit. Elle a une certaine reconnaissance par rapport à lui. Ça l'attache. Tout le monde, un homme est très narcissique. Et si il ressent que sa femme, elle se construit grâce à lui, ça le valorise aussi. C'est peut-être sentimental. D'accord. Voilà. Je pensais que c'était physique. Ça veut dire que non, pas physique. Intérieurement. Elle va l'autoriser en quelque sorte. Maintenant, c'est avec cette alliance-là, elle va l'autoriser à ce qu'il puisse aller avec elle. Quoi. Moi, je prenais ça comme ça. D'accord. Mais donc, à priori, c'est plus sentimental. Que lui, il va développer des sentiments. Voilà, il va développer des sentiments. Okay. Sentir que ça le responsabilise, que ça le responsabilise, qu'il y a quelqu'un dont l'existence dépend de lui. D'accord. En soi, c'est un salaud, mais il veut se marier quand même, là, ici. D'accord. Ça le responsabilise, voilà, par rapport à elle. Et c'est par rapport à cette responsabilité que... Mais dans quel contexte, qu'on ait compris ou non ce Tosfot, mais ce Tosfot nous fait un topo technicolor Dolby Stéréo sur comment un couple se construit, qu'un couple c'est une construction, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. C'est très joli. Mais alors, comment tu peux dire qu'un couple se construit quand il y a le corbillard qui klaxonne, on y va, on va au cimetière ou non ? Et que t'as le fossoyeur, il est là avec sa pelle. Bon, dis-moi, tu as la pioche ? Mais qu'une seule pioche ou deux ? Amène la deuxième pioche, parce que je sais pas, là, c'est dur, hein, la terre. Là. Et dans la pièce à côté, ils sont là, ma chérie. Alors, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que je déduis de là ? Je déduis de là. Alors là, les mecs, écrivez. Merci, Julio. C'est. On avait fait il y a une dizaine d'années, un peu plus, quand on était rue Cadet, une journée d'études sur,
sur le couple, des trucs sur le couple. C'est sur le site en vidéo. Tout ce qu'on avait fait à l'époque, je ne sais pas, ça fait 12 ans, un truc. Que j'avais rapporté cette Gemara. Moi, je veux déduire d'ici de manière précise, pas de manière floue, de manière précise, qu'un couple ne peut se construire que s'ils sont prêts à mettre leurs parents respectifs dans une autre pièce et les mettre de côté. J'oublie mes parents. S'ils n'oublient pas leurs parents, un couple ne peut pas se construire. Parce qu'en vérité, le père du mec est mort. Le père du mec est mort. Disons. Lui, il a un problème, c'est son père. Mais maintenant, il se marie. Elle, ce n'est pas son problème. Elle, que son père à lui est mort, ce n'est pas son problème. Donc, il doit mettre de côté ses problèmes pour partager une vie avec son mari. Avec sa femme. Avec sa femme, en l'occurrence. Et réciproquement. Sa mère, elle est morte. OK, mais elle se marie avec quelqu'un. Oublie ta mère quelques minutes et construis ta vie avec ton mari. Si tu n'es pas capable, te marie pas. Oui, peut-être que ça va laisser. Ça va laisser des choses plus contractuelles et moins des faits qu'on a parlé. Le mariage, c'est une fête. Et voilà. On va dire non, écoute, on laisse le mort de côté dans le scénario. On va faire une relation sexuelle pour construire le couple. Non, mais pour construire le couple. Donc ça, c'est voilà, on va faire comme ça quoi. Oui, mais là, justement, Tosfot, pourquoi il dit ça s'appelle Milat Mitzvah? Tosfot, qu'est-ce qui nous fait ce grand baratin là, ce grand baratin historique sur le couple se construit, c'est grâce à ça. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Mais là, comment ils peuvent se construire? Donc ça veut dire qu'en vérité, un couple, il faut être prêt à larguer ses parents, que c'est comme s'ils étaient morts. Quand ils sont ensemble, un couple ne peut pas se construire. En vérité, c'est toujours comme ça. Un couple, un homme et une femme, ils ont toujours des soucis. Comment ils ont une disponibilité pour construire leur vie ensemble? Il faut que leurs soucis respectifs, ils les mettent de côté. Il faut qu'ils aient la force de zapper leurs soucis, parce que le souci que lui il a ou que elle a, et ben ça peut la prendre tout le temps et que finalement ils sont jamais disponibles l'un pour l'autre. Ça sert mieux de construire un couple si la mère et le père sont toujours vivants et font la fête. Mais la situation limite, même dans la situation limite où le père et la mère sont morts, il faut construire le couple aussi. Oui, mais moi je peux te dire que de là je vois, c'est très bien ce que tu dis. Que même dans cette situation limite, il faut construire le couple. Mais je peux te dire que même dans une situation qui n'est pas limite, on n'est pas disponible pour construire le couple parce que chacun est, il a son père, sa mère, sa belle-mère, son truc, son machin. Combien de gens, moi, ils m'appellent? Oui, il y a des tensions dans le couple à cause de ma mère, à cause de sa mère, à cause de son père, de son truc, de machin. Ils sont morts. Ils sont morts. Il faut tuer son père, il faut tuer sa mère pour pouvoir construire son. Non, Comment? Non, c'est sûr quand le problème n'est pas partagé. Quand le problème est partagé, mais il n'est pas partagé. Bah oui, là, il n'est pas partagé. C'est pas grave. Oui, tu ne peux pas tout partager. Toi, tu as un problème, ton père est mort. Ça, c'est ton problème. Elle n'a encore pas vécu avec toi. C'est encore pas son problème. Peut-être au bout de 30 ans de mariage, elle aura une empathie pour le drame de son mari. Mais là, pour le moment, ce n'est pas encore son problème. Ils ne sont encore pas mariés. Il faut qu'il mette son problème de côté. Ce n'est pas son problème à elle. Ils viennent de se marier. Ils ne sont encore pas mariés.
Comment tu veux qu'elle ait une empathie? Ça prend du temps pour une empathie pour le problème de l'autre. Comment? C'est très théorique, cette pensée-là. En pratique, j'ai du mal à voir. Sa mère meurt et elle va se marier une fois en dire après. Mais au-delà de ça, là, l'argument de l'empathie, enfin, je vais me marier avec quelqu'un et j'ai fait un homme de connexion avec la personne, je ressens déjà de l'empathie pour elle. L'empathie, mais. D'accord, mais moi je vous parle par expérience. Un homme, il a toujours des problèmes. Une femme a toujours des problèmes. Comment, à un moment, on est disponible l'un pour l'autre? Il faut mettre ses problèmes de côté. Non, on les partage. Oui, on les partage de temps en temps. Mais pas. Mais des moments, il faut les mettre de côté. Elle, il y a sa mère. Ok, d'accord. C'est à partir du moment où, quelque part, excusez-moi l'expression, elle tue sa mère qu'elle peut construire sa vie. Et lui, pareil. La question se pose même pas si c'est la mère du marié ou le père de la mariée. Oui, ça, c'est un cas précis dans le contexte. Dans le contexte de l'Akbar. Où c'était le père à lui qui, en général, s'occupait de tous les besoins du mariage. Et la mère à elle qui s'occupe. Voilà, qui s'occupe de sa coiffe, de sa robe, de son truc, de son machin, de son maquillage. Voilà. Alors, il repousse le mariage. Ah ouais? Là, il repousse le mariage. Ah ouais? C'est le, dans le compte. Regardez, c'est très compliqué. Après, on verra là à la fin. Non, c'est très compliqué. On continue? C'est bon. Ça veut dire que ce que vous venez de dire, justement, c'est renforcé. Parce que c'est vraiment avec le père et la mère. Qu'il y a une urgence. De se détacher, quoi. Voilà. C'est un problème. Mais c'est énorme. Ça veut dire. Une fois, il y avait un élève à moi, il voulait se marier, et il m'a dit, où est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un chidour, etc. Alors, j'ai dit, quel genre tu cherches? Quelqu'un comme ma mère. Franchement, le mec, il m'a dit... C'est promet, le mec. Nature, quoi. Et c'est 100% sans... 100% nature, le mec, tu vois. Je ne sais pas comment dire. Sans conservateur et sans glutamate de potassium, quoi, le mec. C'était bio, quoi, le mec. C'est excellent. Juste, que, comme on l'a dit, il y a un contexte particulier, quand même, tout ça. J'ai l'impression que la Mishnah fait surtout ressortir la perte financière. Ou par rapport, voilà, tout est prêt. Voilà, c'est un peu financier. Voilà. Aussi le fait qu'après, les parents ne sont plus là pour s'occuper d'eux. Voilà, c'est ça. Donc, ce côté de dire, il faut mettre de côté, la théorie, quand même, un contexte. C'est que oui, on autorise Bela Mitzvah avant l'enterrement, parce qu'a priori, et donc ça, c'est dans le Michelet, etc., parce qu'a priori, ils vont perdre financièrement une grosse somme. C'est ça le sujet. Pour mettre de côté. D'accord, c'est ça le sujet. Mais comment Tosfot va partir dans un blabla sur Shalom Bayit, machin bidule, au moment où, comme Julio dit, a priori, on dirait que c'est un protocole. Voilà, tu vas là, on met le mur là, machin, qu'il y a un protocole. Qu'est-ce qui s'appelle Bilat Mitzvah quand même? Oui, alors, parce qu'ici, il veut expliquer peut-être pour la première fois Bilat Mitzvah, qui n'est peut-être pas expliqué avant. Mais pourquoi nos maîtres le disent là? Ils ne peuvent pas le dire ailleurs. Je veux dire, on peut dire simplement qu'il va avec elle, quoi. Voilà. C'est pas le Bela Mitzvah. Pourquoi c'est là? Parce qu'ils appellent peut-être en passant, ils appellent que... En passant, ouais, d'accord, c'est nul. Alors, ok, on va faire Rashi. Aviv shel Khatan ou Ima shel Kala.
Dafka, vous voyez, donc là, c'est sur Guimel Amoudbet, en bas. Rashi. Dafka, Naka, Tavir, Shelchatan, Sheou, Atorea, Betzorke, Seouda. C'est strictement, on prend le cas. Strictement, on prend le cas du père du Khatan, qui est celui qui se fatigue dans les besoins du repas. Ve ima shel kala shea mechina la tarchitim, et la mère de la mariée qui lui prépare ses maquillages. Le ficar, c'est pourquoi im yavor amoed shuv en machilaem. Si tu repousses l'échéance, il n'y aura personne pour leur préparer. Ve tirou laem l'arnis et amel la cheder chez lo ikveru. Ils ont permis d'introduire le mort dans une pièce, de ne pas l'enterrer. De imken, parce que s'ils l'enterraient avant l'habilla, chala velut ala evel bestimata golel kedele kaman, prendrait le deuil de l'endeuillé quand on ferme le cercueil. Veshuv lo yochal lichnos ad sheavor avelut. Et alors, il ne pourrait plus aller avec elle avant que les 7 jours de deuil soient passés. Donc, le repas de fête va être perdu et le mariage va être perdu. Et qui va préparer plus tard ? Voilà. Rachid après. Donc, il va avec elle, ou Poresh. Donc, ensuite, il a la bia. C'est une seule bia. Veke veru et amet miyad. Et ils enterreront le mort tout de suite. Les kivan, les chala alav khatuna, étant donné que le statut de mariage prendra par le fait qu'il y a eu la roupa et la bia, avait les gabé karegel, donc prend sur lui le statut de fête, velo atia avelut vechayla, et ne prendra pas la velout sur la période des fêtes. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu Roupa plus Bia, là, prend le statut de 7 jours de fête. S'il y a un statut de 7 jours de fête, ne peut pas prendre dessus les 7 jours de deuil. Donc, il termine les 7 jours de paix après seulement 7 jours de deuil. Alors là aussi, tu vas me poser la question, comment c'est possible de faire 7 jours de fête quand sous le bras, j'ai 7 jours de deuil à faire. C'est dur. Hein, est-ce qu'on est des robots, quoi ? Fais la fête ! Endeuille-toi ! Ouais, c'est quoi, ça ? Hein, c'est énorme, cette question. C'est l'être humain aussi. Comment ? C'est l'être humain aussi. Parce qu'il a toujours de tes côtés dans la vie. Il y a toujours aussi. Il y a des moments de tristesse et des moments de fête. Et là, c'est ça, entièrement. Dans la fête, il a le deuil, après. Oui, alors, ce que tu dis, Julio, c'est très, 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 très bien. Rashi explique. Donc, je reprends Rashi, le Rashi en haut. Ça veut dire que la choupa ne donnera pas suffisamment pour donner le statut de 7 jours de fête. Parce qu'ici, il y a une compétition entre 7 jours de fête et 7 jours de deuil. Or, nos sages veulent qu'il y ait les 7 jours de fête. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire la bia. Pour faire la bia, il faut mettre le mort à côté. Et ensuite, prennent les 7 jours de fête. Une fois qu'il y a 7 jours de fête, Rashi nous dit, c'est comme un régal, c'est comme un Yom Tov pour lui, si, ou pour elle, puisque c'est Yom Tov. S'il y a un deuil qui prend
pendant les fêtes, le deuil ne prend pas, il est repoussé à plus tard. D'où la question, qu'est-ce que ça veut dire le deuil est repoussé à plus tard? Nous, si on voit au niveau des sentiments, soit je suis triste, je ne suis pas triste, c'est-à-dire, ouais, plus tard, tu vas être triste. Maintenant, tu es gay. Alors, tu as dit quelque chose d'important. C'est, je reprends les mots que tu dis, il me semble que c'est très important, c'est que la vie, elle est toujours s'entrecroise, les joies et les peines. Et ça, nos maîtres nous éduquent à comment finalement intégrer la peine dans la joie et la joie dans la peine. Moi, j'explique comme ça, si je peux me permettre. On dit, Vavta et Hashem Elokecha bechol vavra prod nafshecha bechol modir. On dit, Hashem est un. Le Hashem est un. C'est-à-dire que dans la vie du juif, la joie n'est pas la contradiction de la peine. La peine n'est pas la contradiction de la joie. Tu peux vivre les deux en même temps, en toi. Je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup enseigné ce passage au fil des années parce que je vous donne un autre exemple qui m'est arrivé. Je suis désolé, hein, pour essayer de peser un peu. En 95, juste après Sukkot 95, j'avais une seule sœur qui est décédée. Elle avait 43 ans. Elle est décédée d'un cancer. Okay. Et mon épouse, elle était en fin de grossesse. Fin de grossesse. Et juste quand les 7 jours de deuil sont terminés de ma sœur, mais vraiment, ça veut dire le jour même de la fin, ma femme, elle a accouché. Et quand quelqu'un est en deuil, on dit « Amakom inachem etrem etor avletzion Yerushalayim » que Dieu vous console parmi les endeuillés de Sion et de Jérusalem. Alors les gens, ils me disaient « Amakom inachem etrem mazel tov » Et les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est la Torah nous éduque la mort, c'est pas la fin des haricots. C'est on voit, c'est pas parce qu'il y a un mort qu'on fait pas un mariage. Il y a un mort, ok, on donne la possibilité, on donne la place au mort, mais on fait un mariage. C'est vrai, il y a quelqu'un, il meurt, il y a une naissance aussi. C'est pas la mort, c'est un élément de la vie. C'est pas vous savez comment on dit un cimetière en hébreu? Bon, c'est Bet HaKvarot. Mais on dit Bet HaChaim. La maison des vivants. Hein, parce que pour nous, être mort, c'est pas la fin d'un haricot. C'est une étape. Changer de costume. Comment? C'est changer de costume. Voilà. Mais c'est pas la fin des choses. C'est ça, mais c'est pas, mais puis, ouais. L'âme est toujours là. Ouais, c'est pas la fin des choses. Ouais. C'est très, très important. Alors maintenant, on va faire le Rajba. Hein, que... Ça va être le sujet. C'est le sujet. Alors, c'est le sujet et dans Brachot et dans Toubot. Hein. Aïe, 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 quelqu'un, il veut le mandat. Tiens, voilà. C'est quelle page, comment? Je vais expliquer, qu'est-ce que c'est. Vas-y.
Alors, oui, c'est un passage du Shita Mekoubetset. C'est un Rabbi Betzalel Ashkenazi qui était en Égypte vers 1520, 1530, 40, voilà. Et il a fait un livre sur certains traités importants du Talmud. Il a compilé et organisé les enseignements antérieurs à lui. Voilà. Alors, il rapporte le Rajba. Alors, il y a une question dans les décisionnaires. Il y a les lois de deuil. Hein, les lois de deuil. Est-ce que les lois de deuil, c'est une mitzvah la Torah ou non? Alors, Rambam, lui, du pasouk de la paracha d'hier, dit « La choto abetula sherlo aitaleish, la itama » Le Kohen, il doit se rendre impur pour sa sœur. Voilà, qui n'était encore pas mariée. Voilà. Pour son père et sa mère, etc. Il doit se rendre impur. Voilà. Pourquoi ? La itama. Il doit se rendre impur. Donc, c'est quoi ? Rambam, il déduit de là les lois de deuil. Mais c'est un grand débat dans les décisionnaires. Est-ce que Avelut, c'est Deoraita ou Midrabat? Avelut. Qu'est-ce que Avelut? C'est à la fois lié au deuil ou c'est... Alors, Deoraita, alors, au Midrabat. C'est quoi le deuil? C'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit dans Maseret Brachot. C'est lorsque le mort est enterré. Lorsque le mort est enterré, le deuil, c'est Mestimat Agomel, Agolel, comme on va voir dans ce lagma. Mestimat Agolel. Les lois de deuil, c'est quoi? Les lois de deuil, c'est que on ne met pas de chaussures en cuir. On s'assoit. C'est écrit comme ça ouais. On s'assoit. C'est quoi, Stimata Golel, c'est quoi exactement? Salut, Ali. Shalom. Stimata Golel, c'est-à-dire, on va voir, c'est dans la suite de la Gemara, c'est le quand le corps est recouvert de terre. Okay. C'est pas fermer le cercueil. Hein. C'est corps est recouvert, parce que le corps est recouvert de terre. Voilà. C'est Stimata Golel. Bien. Prend à ce moment-là, c'est ce qu'on avait dit. Il y a les lois de Onen, les lois de Onen et les lois de Avelut. Voilà. C'est deux concepts différents. Avelut, c'est Stimata Golel. Alors, on ne met pas de chaussures en cuir, on s'assoit par terre, on ne se lave pas. On ne se parfume pas, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas, on n'étudie pas la Torah, et pas de relation intime, de couple, on ne fait pas de commerce, quelqu'un qui est en deuil pendant 7 jours, il ne fait pas de business, voilà, c'est quoi, on s'occupe de son mort, alors tout ça c'est en vérité, c'est des lois, on va voir le contenu du sujet, hein. Donc, ça serait tout ça qui serait soit de Raïda, soit de Rabbanan. Voilà. Ce qu'ils font, d'accord. Voilà. D'accord. Je crois que c'est plusieurs décrits qui avaient été faits. Hein. En fait, on peut dire alors, tout ce concept-là. Voilà. Alors, et on ne fait pas de mariage, etc. Oui, okay.
quelqu'un qui est en deuil. On écoute aussi, il y a d'autres choses. On n'écoute pas de musique, on ne fait pas de musique. Tout ça, il y a des livres entiers. Hein, parce qu'il y a plein de détails. Prenons un exemple. Quelqu'un, il est en deuil et c'est un concertiste. S'il ne fait pas ses gammes, do ré mi fa sol la si, il perd son truc. Bon, OK, ça, c'est des lois. Il faut voir. Chaque cas, il y a plein de détails. D'accord. C'est juste savoir ce que vous avez dit par rapport au Rambam. On a dit l'Aïtama, pourquoi ils sont dans l'impur. Après, on parle d'enterrer. Oui, oui. Bon, il faut voir pourquoi Rambam il apprend de ce verset. C'est une question tout à fait adéquate. Okay. Alors, regardons le Rajba, ce Rajba magnifique. C'est bon, les braves, là. Voilà. Donc, il va avec son épouse et une seule relation. Après, il ne la touche plus. Piresh Rashi Zal. Explique Rashi. Varaka kovrim et amet. Après, on enterre le mort. Mashma, j'entends des sphiralés que l'auteur au Rashi pense. Des en avelou de oraita kolikar. Qu'il n'y a pas de deuil d'après la Torah du tout. Vafilou yom amita ogvura. Même le jour de la mort et l'enterrement. Pourquoi ? Parce que Rambam, dans les lois d'Avelout, il dit quelque chose de très, très impressionnant. Lui, Rambam, il pense que Yom Mita Ogvura, c'est d'Oraita. Yom Mita Ogvura, d'Oraita. J'explique. Alors, c'est pour ça, ce Rajba, je vous ai laissé vous dépatouiller tout seul là, mercredi soir, mais c'était piège, parce qu'il y a plein de sous-entendus dans les Rishonim. Ils disent plein de problèmes qui ne sont pas écrits. Que le mort, il est mort, est enterré. Alors, le jour, si le jour de l'enterrement coïncide avec le jour de la mort, d'après Rambam, c'est d'Oraita. Mais si il est le premier jour, c'est d'Oraita, Yom Itogura. Mais si l'enterrement est différé par rapport à la mort, c'est pas d'Oraita, c'est de Rambam, même d'après Rambam. Alors Rambam dit, mais on voit dans la Torah, dans Parashat Vayechi, que lorsque Jacob est mort, Yosef, il a fait un deuil de 7 jours. Regardez, c'est écrit explicitement dans le Passouk. Dit Rambam, ça c'était avant la Torah, avant Matan Torah. Avant Matan Torah, Joseph, il a fait 7 jours de deuil. Mais à partir du don de la Torah, c'est seulement Yom Itog Bura. Et il y a une grande marloquette. La plupart des Rishonim, ils disent que non. Que le deuil, ça n'est que rabbinique. Alors regardez, avant de voir le côté technique, on peut s'interroger. Parce que vous regardez des livres sur l'histoire des religions ou des livres d'anthropologie sur la religion. Non, ça vous intéresse. Non. Non, vous lisez autre chose, Gaston Lagaffe. Non, ça t'a pas. David Funéraire de religion. Ça veut dire que tu regardes des livres sur l'origine des religions, l'historique de religion, l'anthropologie, etc. Que la base du religieux, c'est souvent la mort, c'est les rites de mort. Or, d'après ce qu'on voit, la question qu'on se pose, est-ce que les lois de deuil, peut-être ça n'est que rabbinique ? Ce serait dingue, donc, quand même, de dire un truc pareil. Pourquoi ils auraient institué ça, les sages ? Non, mais d'accord. Mais, tu vois, il y a des gens, ils ne sont pas pieux, ils perdent un proche,
tout d'un coup, ils ont un besoin de religion. Ils se réveillent tout d'un coup. L'un des autres, ne te casse pas la tête, fais Shabbat, parce que les lois de deuil, c'est que rabbinique, laisse tomber. Fais Shabbat, ça c'est la Torah, mais le deuil, deuil. Tu vois, je ne sais pas, tu vas dans une Sina, on fait un Asgir, on fait Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui a fait qui a perdu un proche. Il a fait donc un super mascara. C'est-à-dire, excuse-moi, je vais vous mettre une petite seconde. Oui. Oui, je suis avec toi. C'est un petit déjeuner pour pas les nuits de semaine. C'est quand même détriment de la religion. On lui a dit de faire ça, alors il a fait ça. Et moi, j'ai fini un peu avant la semaine, je vais partir pour aller au travail. Alors donc, je me suis dit, je vais faire les nuits de semaine. J'ai pris, quand ça prend quelque chose, j'allais faire la bracha et les nuits de la bracha. Et lui m'a vu. Il m'a dit, mais c'est pour le mort. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour le mort. Pour lui, c'était une. C'est sacré, quoi. C'est sacré, quoi. C'était grave que je fasse ça. Que tu fasses quoi, une bénédiction? Que je mange avant le moment où tout le monde... Ah, oui, c'est sacré. Alors, regardez, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, tu regardes n'importe quel livre, je ne sais pas, de Durkheim, de machin, de Mauss, de Guénon, de Mircea Eliade, tous les livres de ceux qui sont pensés sur... l'origine de la religion chez l'humain, c'est l'émergence du sacré, c'est la mort. Or là, il y a un débat, ouais, peut-être que la Torah d'Oreta, t'as aucun rite funéraire. Pour l'enterrer, on passe à autre chose, quoi. C'est une institution rabbinique. Hein, Samuel, il est en méditation transcendantale, Samuel. Moi, je suis dans une vision de la Torah, là, qui me voit ce que les personnages doivent faire, c'est pareil. Non, si, on voit qu'Abraham, il enterre Sarah. Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est que le caveau, il s'investit pour l'enterrer. Enterrer, oui, ça s'écrit dans la Torah. C'est écrit que Joseph, il a fait 7 jours de deuil pour son père Jacob. Maïmonide, il dit, bon, c'est avant le tour de la Torah. Jacob aussi déchire ses vêtements pour les rendre Joseph. Non, il ne savait pas qu'il est mort. C'est... Bah, il n'est pas content. Il déchire de tristesse. Oui. Non, on ne dit pas que c'est un rite. Quoi. C'est une surprise. Ouais, mais ça laisse. Non, mais quand j'ai découvert ce sujet, moi, ça me. Tout c'est le contraire de ce qu'on pense. Justement, comme tu dis, il y a le sacré, la dimension du sacré, c'est il est mort, une minute de silence, machin. C'était pour le mort, pour lui, quoi. Voilà, ouais. C'est vraiment. C'est... Moi, j'ai eu l'expérience de ça quand j'ai commencé à enseigner. Je suis venu de la région parisienne. Quand je commençais à faire des cours. Et en plein milieu de l'étude, il y a quelqu'un qui appelle pour nous dire qu'il y a l'enfant de quelqu'un que tous les gens du cours connaissaient très bien et s'est fait écraser. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Alors, il y a un des participants, il a dit, bon, on arrête l'étude. Non, on doit compter. Non, mais c'est intéressant. Instinctivement, tu vois, la mort, ça arrête tout, tu vois, c'est sacré. Alors, si tu as quelque chose à faire, tu t'arrêtes. Si tu dois t'occuper de l'enterrer, alors tu arrêtes. Mais là, c'est dans une autre ville, j'ai rien à faire. Non, je continue à étudier. Ah,
c'est pas évident. Ok, qui t'a dit que la vie c'est évident? Plein de choses, pas évident dans la vie. C'est pas évident. Pourquoi ce serait évident? Pas évident. On continue. La mesure où on peut avoir une transformation avec un enfant, c'est le moment de la routine sacrée. D'accord, mais tu pourrais dire, tu as les sentiments. Je vous donne encore un exemple, exactement le même exemple que moi j'ai vécu aussi. Excusez-moi, hein, je suis un vieux croton, j'ai des histoires à raconter. Mais il y avait, c'était en 79. En 79, il y avait un Talmid Chacham extraordinaire qui était à Nice, qui s'appelait Rabbi Benjamin Ringer. C'est quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire. C'était le meilleur ami de mon maître, Rabbi Eliyahu Abitbol. C'était vraiment les deux frères siamois. Okay. Et j'étais au cours de Rabbi Abitbol à Strasbourg. J'étais à l'étude. Quelqu'un vient dire à l'oreille de Rabbi Abitbol que Rabbi Benjamin Ringer est mort dans un accident de voiture. Rabbi Abitbol a terminé le cours et quand il a terminé le cours, il s'est effondré en pleurs. Il a terminé son étude. Ça, c'est de la Torah, tu vois. Si tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas avoir l'idée de ça. Tu ne peux pas avoir l'idée qu'il y a des problématiques, et comme tu as dit, Julio, que ce n'est pas forcément contradictoire. Exact. Ce n'est pas forcément contradictoire. C'est la joie et la peine ne sont pas antagoniques. C'est ça, la Torah nous demande qu'Hachem Echad, de pouvoir contenir en nous des différentes dimensions. Les idolâtres, ils disent il y a le dieu de la vie, le dieu de la mort, tu vois, ça c'est les idolâtres. Mais nous, il y a Hachem Echad. Tout ça, ça vient de la même source. La même source. Et on peut vivre tout ça. C'est-à-dire que mon oncle, Marc, est d'initiaire juste veille de Soukhot. On est enterré à ce moment-là, et mon père n'a pas eu de deuil du tout. Il est rentré dans Yom Tov, normalement, et même après, il n'y a pas eu de l'Yeshiva. Ouais. C'est particulier. Voilà. Mais, alors, tu demandes pourquoi les sages nous ont institués. Alors, Rambam, en vérité, Rambam, il est Maïmonide, c'est le, je sais pas, moi, c'est Kodesh Kodashim, on dit de Moshe à Moshe, l'Okam qui est Moshe. C'est, on dirait que Rambam, il a compris la Torah, c'est très spécial. Rambam, il dit que Moshe Rabbeinu a institué les 7 jours de deuil et les 7 jours de mariage. C'est comme ça dans les lois de deuil, dit Rambam. Moshe Rabbeinu a institué les 7 jours de deuil et les 7 jours de mariage. Moi, ce que je comprends, c'est comme ça. C'est que les lois de deuil, c'est tu vis un événement dans ta vie, tu dois le vivre, pas un peu, tu dois donner un cadre de vie. Tu perds un proche, tu ne vagues pas à tes occupations. Tu perds un proche, c'est énorme. Donc, tu changes des choses de ta vie, tout cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plein de lois. De la même manière, tu te maries. Bah, tu te maries et puis voilà, tu te maries, c'est la fête, tu banques un max, tu prends un traiteur, des bons gâteaux, des glaces au chocolat et à la crème chantilly. C'est la pièce montée, truc et machin, un mariage, c'est un mariage, c'est pas un petit truc, c'est 7 jours. C'est les sages, ils nous éduquent à vivre les choses. T'as un événement, t'as un mort qui et ben tu dois vivre ça. C'est ce qu'on va voir dans le Rashba. Que le deuil, même si tu dis que le deuil, c'est d'après la Torah, c'est une mitzvah tassé, c'est pas une mitzvah tassé. Nous, ce qu'on pourrait imaginer, que le deuil, c'est t'enlever de la vie. Au contraire, c'est tu dois vivre quelque chose. Tu dois vivre ce que tu vis. C'est quoi? Un proche est mort. Je dois vivre ça. Je dois pas laisser passer. Tu te maries, c'est
c'est une méga fête. C'est de la même manière, ça ce qu'il est Maïmonide, de la même manière que Moshe Rabbeinu a institué les lois du mariage, 7 jours, de la même manière il a institué les 7 jours de deuil. C'est la même logique. Et ce qui va cristalliser, c'est ce sujet-là. C'est le sujet de la classe. Alors, on y va. Ça va, ce... Alors, je reprends. Donc, Rashi dit, « Raka kobrim et tamet, mashma, j'entends, des sviralés qui pensent Rashi, des en avelu d'oraita kolika, qu'il n'y a pas les lois de deuil d'après la Torah du tout. Filou yom amita gvura, même le jour de mort est enterré. Dis l'otema achi, parce que si tu disais que le jour de deuil de yom mita gvura, c'était d'après la Torah, comme Maïmonide, ate avilu doraita vedache yom tov de rabbanan, que viendrait yom tov de rabbanan, avilu doraita repoussé yom tov de rabbanan. C'est-à-dire, si tu dis que le jour de la mort et de l'enterrement, c'est un jour de deuil de Horaïta, là, la Gemara dit comme ça. Là, il a que Boed Beinat Mitzvah, Beinat Mitzvah, Beinat Mitzvah, Kevura. Or là, manifestement, la Kevura, c'est tout de suite après. Kevura, c'est tout de suite après, puisque Rashi Boresh ve kovrim miyad, Kevura miyad, dit Rashi. Miyad, Rashi dit tout de suite. Donc c'est Yom Mita Kevura. Et ensuite, il dit 7 jours de fête. Donc ça veut dire après l'enterrement, il y a la fête. Comment tu peux dire qu'il y a la fête, puisque Mita Kevura c'est d'Oraïta, si c'est d'Oraïta, ça repousse le Yom Tov Vidramana, puisque là tout le monde est d'accord. Que 7 jours de festin, 7 jours de mishté, ça c'est les rabbanan. Donc si tu dis que c'est d'oraita, ça prime. Comment tu peux dire qu'il y a 7 jours de fête? Donc, on est obligé de dire que Rashi pense qu'avec l'autre, c'est des rabbanan, donc l'autre. Donc tu as jour de fête, mais des rabbanan, le deuil n'est pas assez fort pour casser. Mais si c'est comme les géonim, c'est-à-dire les géonim, ah tiens, il y a un invité là, vous voyez. Salut. Alors, les géonymes. Alors, si tu dis comme les géonymes et comme Maïmonide, après, parce que Maïmonide suit toujours les géonymes, que Yomitogva c'est d'Oraïta, alors tu pourras dire pas on enterre tout de suite. Il faudrait dire qu'on enterre plus tard. C'est Rashi qui dit. Varaka comme une tabette. Dilo tema achi, ate avilo doraita, pedare yom tov raba. Kemosh iskimo ageonim, comme se sont mis d'accord les geonim, de mi shemet lomet be yom tov sheni dat seret, o be yom tov acharon shel chag be shel pesa. Vinigvar bo be yom noeg avilut. Des sfirale de yom mita be yom kwa doraita, vete avilo dera yom tov de rabanan. וכן דקדק מכאן, מכאן שספה כי, רבי שפה, ראשין, דאין אבילו קוליקה דאורייתא, כיבה דאבילו דוטו דפרי לתורה. אלור, כלגיוני מזונתי. מוסווה כלדוזם ז'ור דו יום טוב, חוץ לארץ, זה רביניק. זה רביניק. מנור, il y a quelqu'un meurt le deuxième jour de Yom Tov, alors, on a le, comme c'est rabbinique, on l'enterre le jour même. On l'enterre le jour même, même par un Israël. Si je ne m'abuse, c'est la Gemara dans Betsa. Un Israël même fait le on l'enterre. Donc on l'enterre le jour même. Donc, c'est Yom Mita Gvura. Et après, les lois de deuil s'appliquent. Parce que les jours de deuil, le jour de Mita Gvura, c'est d'Oraïta. Le jour de fête, c'est Médera Banan. Donc, le deuil étant d'Oraïta, ça repousse le jour de fête, Médera Banan.
C'est ce que disent les Géonimes. Julio, one more time, je répète. Oui. I am repeating. Que quoi? Que le deuxième jour de Yom Tov, c'est un jour de fête rabbinique. Il y a quelqu'un qui meurt ce jour de fête rabbinique. L'Agma dans Beth Sadik, on l'enterre le jour même. Ouais. Genre le jour. Bien. Alors, on l'enterre le jour même. Or, les Géonimes disent que Yom Mita Okevura, le deuil est d'Oraita. On enlève les chaussures, etc. Ah, mais c'est Yom Tov, on n'enlève pas les chaussures. On ne s'assied pas par terre, c'est Yom Tov. Ah, mais comme c'est Yom Tov rabbinique et que le deuil est d'Oraita, donc les lois de deuil priment par rapport au Yom Tov rabbinique et tu t'es assis par terre, tu enlèves tes chaussures. Bien que ça soit Yom Tov, c'est le Rabbanan. Parce que le deuil, c'est d'Oraita, ça repousse le Yom Tov, et le qu'on ne fait pas de deuil le jour de Yom Tov, mais ça, c'est rabbinique. C'est ce qu'ils disent des Géonim. Donc, Mikan, Reshin, je ne sais pas qui c'est, Den Avelut Kolikar Dorita. Je crois que c'est le Roche, hein, si je ne m'abuse. Alors, pourquoi on ne va pas comme les Géonim? Comment? Les Géonim, ils ont leur avis. Et qui pense alors que c'est des Rabbanan et pas des Dorita comme les Géonim? Bah, c'est le Roche. Et d'où il tire son enseignement? De cette Gemara. De notre Gemara. Ah, de notre Gemara. Et on va voir d'autres Gemarot encore. Voilà. Veo de Viraya, mais des Karsinan de Bechorot. Et de plus, il y a d'autres preuves pour dire que c'est des Rabbanan, qu'on voit dans le traité Bechorot, d'Af même tête, à Kol Modim Lénan Avelou de Yom Shoshim, Kelifne Shoshim Dami, Damar Shmuel, Rak Livram et Kel Bavel. Donc il y a un sujet là-bas, le 30e jour, et c'est comme avant Shoshim, etc., qu'il y a Shmuel, il dit, c'est ça le point principal, Alara Kedivre Amekil Be. On a un grand principe, que quand il y a une marque loquette sur les lois de deuil, Shmuel nous dit que la halakha est comme la vie le plus allégé. Or, on a un principe que quand on a quelque chose qui touche à la Torah, on va d'après la vie exigeant. Or, on a un grand principe que dans les lois de deuil, quand il y a un débat, la halakha est comme la vie le plus léger. Donc, c'est une preuve que c'est des Rabbanon. Shmamina, la vélo de Yom Rishon des Rabbanan. Je déduis que la vélo du premier jour, c'est Rabbanan, des Mekilimbo, chez l'eau, les Tavel, Bokolikar, des Doraita, les Sveka Doraita, la Khumra. Parce que si tu pensais que la vélo du premier jour, c'est Doraita, quand tu as un doute, comment c'est la halakha, tu devrais aller d'après la gravité. Ou les livres à Goenim, chez Iskimu de Yom Rishon Oraita. Or, les Géonim, ils disent que le premier sur Odata. Pourquoi? Oui, le Rif, lui, il est possède comme les Géonim, mais Rambam est possède comme le Rif et comme les Géonim. Parce qu'on voit, où est-ce que c'est ça? Achalti Chatatayom. Au hasard, Yeshaya. Comment? Yeshaya au hasard. Allez, mec, les mecs. Toi, tu ne vas pas à la Sina, je sens. Vous me dites ça, je vois, vous me dites ça. Ben, parce que, je ne sais pas, il y a deux Shabbats, on a lu ça. Il y a trois Shabbats. Et c'est dans Parashat Shmini. Quand Nadav et Abihu sont morts, il y a Aaron, il n'a pas mangé le khatat de Rosh Chodesh. D'accord ? Et Moshe Rabbeinu l'a grondé. Comment ça se fait que tu n'as pas mangé ? Ouais, mais il fallait manger. Il a dit, moi, je viens de perdre mes fils, est-ce que je mangerai aujourd'hui ? Je suis honen. Donc, ça, les Géonim déduisent de là que Yom Rishon, on voit bien qu'il y a, oui, dans la Torah, que ce jour-là, c'est un jour d'affliction. Le premier jour. C'est sûr que c'est d'Oraita. Parashat Shmini, non, ça fait trois Shabbat. Elles sont dures, là, c'est pas vrai, ouais, ouais, d'accord. Alors. Non, mais c'est vrai. Les corbanotes, c'est pas vrai, écran, il est compliqué. Hein. Tu préfères Abraham avec son âne, tout ça. Ouais, c'est sympa, Abraham. Non, c'est complexe. C'est ouais. Très complexe. Bah, ouais. C'est un vrai écran très complexe. C'est vrai. Alors. C'est dur à signer. Bon, restez au pieu. Tant qu'à faire. Oh, c'est vrai. Bon, on continue. Alors, il dit.
qu'on apprend en Barati Khatatayom, on voit que c'est le premier jour, ses fils sont morts, Anadav et Abihu, il a dit, moi je ne peux pas manger le korban aujourd'hui. Voilà. Donc regardez comme c'est sublime. Toute la marloquette, c'est Rashi. On reprend. Non, regardez. Il y a un mot et tout le débat. Est-ce que Abel ou Tzedara est là, des Rabbanan, c'est un mot de Rashi. Oh, Gaël, du nerf. Ah mais non, mais je blague. Regardez. Ou Poresh. Vigvuru est à mettre miyad. Pourquoi Rashi dit tout de suite? Réponse, parce qu'il pense qu'Avelout, c'est la bonne. Parce que si c'est Avelout Yom Rishon de Raïsé, Rashi ne mettrait pas Miyad. Mais lui, c'est pas Miyad. D'accord, mais c'est là-dessus qu'il est Medayek. Qu'il dit au Vekover, il fait la Gvoa. Parce que d'après les Géonimes, tu es obligé de dire on attend le lendemain pour enterrer. Sinon, il n'y aurait pas les lois de deuil. Sinon, il n'y aurait pas la joie de fête. Comment on te dit qu'il y a la loi de fête? Comment tu dis qu'il y a les jours de fête? Il n'y aurait pas les jours de fête puisque c'est un jour de deuil. Donc, on enterre le lendemain, c'est rabbinique. On a commencé un truc de rabbinique, le rabbinique n'a pas la force. Ah, mais il va revenir de ça. Une seconde. Le mariage, c'est une mitzvah de Horaïta. Donc comment on fait quand il y a deux mitzvahs de Horaïta qui se présentent? Est-ce que se marier, c'est une mitzvah? Oui. C'est un débat. Un débat, c'est pas une mitzvah. Non, d'après le Roche, c'est pas une mitzvah. D'après Rambam, c'est oui une mitzvah. La mitzvah, c'est Kiriyat d'après Tosfot. Or ça, il dit Tosfot, tu peux avoir une concubine, tu n'es pas obligé de te marier. Ça réglerait des problèmes. Pax et Alakha. Alors, on y va. OK. Vélo à terminer. Va falga d'amaline et tamet au verbe assez, vélo tassé. Bien que laisser passer la nuit un mort. Pourquoi traditionnellement on fait en sorte que la nuit ne passe pas avant d'avoir enterré un mort? C'est ce qu'on avait dit, hein, qu'en Israël, par exemple, en Israël, quand quelqu'un meurt, on ne fait pas passer la nuit. On enterre le plus vite possible. Ouais. Je suis allé plusieurs fois à des enterrements au milieu de la nuit, c'est un drôle d'effet. Avec des lanternes, ça. Je crois dans Hamlet. To be or not to be. Alors, on y va. Alors, mais comment tu pourrais dire que d'après les Géonimes, on l'enterre le lendemain? La malim tamer au verbe assez velota assez, que celui qui laisse passer la nuit transgresse une mitzvah positive, une mitzvah négative. Le fi que vodo malim lo la vilo adon vetachitim keditad. On apprend là-bas dans le traité. Dans le traité, Moed Katan, que pour lui amener un cercueil et un linceul, pour son honneur, on était, mais pourquoi on ne laisse pas passer la nuit? C'est pour l'honneur du mort, de ne pas le laisser dégrader. Mais si c'est pour son honneur qu'on n'a pas de cercueil et il faut attendre le lendemain, attendre 24 heures, on attend pour son honneur. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est mort et que y a les proches ne peuvent pas être là et qu'il faut attendre quelques heures que les proches viennent de Khoutzlaretz, par exemple, un autre pays pour qu'il soit là, c'est l'honneur du mort, on attend un peu pour l'enterrer. Bachanami le fique vodo, qui est déjà basé, beno beyom khatunato. C'est son honneur que de ne pas faire honte à son fils le jour de son mariage. Regardez, c'est... Et maintenant, il va dire la plus belle chose du monde. La plus belle chose du monde. Mais ça, c'est pas dans la traduction. On traduit, mais il faut comprendre ce qu'il veut dire. Inami ou bien.
Ikalemima, on peut dire que même d'après celui qui dit que Avelou d'Yom Rishon, c'est d'Oraïta, Kovrim Oto Beyomo, on l'enterre le jour même, comme Rashi, par Filou Achi, et non Noeg Avelout. Et malgré tout, même si tu dis que l'Avelout c'est d'Oraïta, on ne fera pas l'Avelout. Ah, mais Avelout d'Yom Rishon, c'est d'Oraïta. Comment tu pourrais dire on ne fait pas la veloute? Des bedin madin l'accord d'avoir minatora beshav al teaseh. Parce que le tribunal a la capacité d'enlever une loi de la Torah en te disant assieds-toi et ne fais pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il est en train de nous dire, le Rajba à Kadosh, que la veloute, c'est une mitzvah positive et pas négative. Que, prenons un exemple, lorsque le premier jour de Soukhot tombe Shabbat, on ne fait pas le loulav. Ah, mais on a une mitzvah de faire le loulav. Les sages nous disent, étant donné qu'il y a des risques, il y a des gens qui transportent le loulav dans la rue Shabbat, alors ne fais pas la mitzvah. Tu ne transgresses pas, tu ne fais pas. Ce n'est pas un interdit de ne pas faire le loulav. C'est une mitzvah positive. Les sages, dans certaines circonstances, disent « ne fais pas la mitzvah, ce n'est pas une transgression. » Ils ne vont pas te dire « transgresse ». Donc là, il dit, là, ça, c'est un truc incroyable, que les lois de deuil, c'est une mitzvah positive, ce n'est pas une mitzvah négative. Donc, il te dit, pour que le mariage se fasse, il te dit « ne fais pas la mitzvah positive de deuil. » Donc ici, le Roche nous prouve 1 plus 1 égale 2. C'est QFD. Je peux te dire que cette Gemara, même Rashi pense qu'Avelout Yom Rishon, c'est d'Oraïta. Mais Avelout, c'est une mitzvah positive, ce n'est pas une mitzvah négative. Et comme c'est une mitzvah positive, on ne te la fait pas. On ne la fait pas parce qu'il y a une nécessité, c'est que le mariage se fasse. Donc, fais pas, tu feras plus tard. Donc, ça, si vous voulez, si on médite là-dessus, quel être humain pourrait imaginer que les autres. C'est incroyable. Et surtout, c'est quelque chose de positif qui n'est pas très bon. Parce que le ski, si tu le fais, c'est bien que tu le fais, si tu n'as pas fait. Non. Tu dois le faire. Mais ici, on te dit, Chavalta, c'est étant donné qu'il y a des nécessités annexes. On te dit, ne fais pas la mitzvah positive de t'endeuiller. C'est comme le loulav à Shabbat, si tu veux. Ou le chauffard, Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne souffle pas du chauffard. Ah, mais c'est une mitzvah de la Torah. Je te dis, ils ont la capacité, ils ont pas de te dire, s'il y a des raisons précises, ne fais pas la mitzvah positive. Donc ici, te dire, Rashi, que le deuil, c'est une mitzvah positive, pas une mitzvah négative. Rashi, je demande de faire à ce jour-là, je vois. Et là, il serait mis de peur sur le transport. Bon, ben non, je ne sais pas. C'est quand même chaud, quand même. Voilà. C'est-à-dire, c'est la phrase, les Rabbanan, ils ont la capacité juridique de te dire pour des nécessités impérieuses, ponctuelles, mais impérieuses, ne fais pas la mission positive. De te demander de transgresser, ça, non. Mais ça, ce n'est pas une transgression, tu ne fais pas. Donc ici, le Rajba nous donne une lecture. Mais invraisemblable en vérité. Lecture atsum, que le deuil, c'est mitzvah tassé. C'est-à-dire, ne pas mettre ses chaussures, ce n'est pas un interdit. Je fais quelque chose de positif de ne pas mettre mes chaussures. Quand on dit que quelqu'un, quand il est en deuil, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec son épouse, ce n'est pas un interdit. C'est une mitzvah positive de m'endeuiller. Et qui fait qu'il y a une conséquence positive, négative. Mais ce n'est pas négatif. C'est vraiment ça qu'il faut. C'est que l'information de la Torah, il n'y a pas écrit, il ne faut pas. Il y a écrit qu'il faut. Tanou et Tafshut. Tanou et Tafshut. Vous mortifierez vos âmes. C'est positif. C'est positif. Ça tsoum, hein. Vous voyez, de quoi? D'un mot dans Rashi. Qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est bon?
on reprendra ça. Hein, Bezrat Hashem, mercredi, on reprend ça. C'est magnifique. OK ? Ça va, Eli ? Oui, ça va, et vous ? Toujours pas.